On a eu un bon match la semaine dernière, mais pas abouti en fait. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de franchissements, le respect de la stratégie mise en place dans la semaine, mais on n'a pas réussi à concrétiser nos actions et surtout on a eu un début de deuxième mi-temps qui a été terrible puisqu'on prend 14 points en 10 minutes. Et c'est ça qui nous a vraiment mis à défaut pour ramener au moins un point du Racing. Parfois, on a eu des matchs qui n'étaient pas forcément bons, où on n'a pas forcément réussi à mettre en place le jeu travaillé dans la semaine et la stratégie établie. Et malgré tout, parfois, il y avait le résultat. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à la recherche d'un résultat, surtout après une défaite contre le Racing la semaine dernière, où on y a été quand même avec la conviction de ramener quelque chose. Avec une victoire à la maison ce week-end, je pense que le bilan sera positif. Mais la première des choses, c'est d'être capable de gagner contre Perpignan avec justement cette équipe qu'on a à disposition au vu de tous les joueurs qui sont en équipe de France. C'est un USAP qui a de grosses individualités pour certains joueurs qui vont être là, comme Dougie Valou, comme leur numéro 8, Mamae Lalamalou, je crois, ou Lamalou. Ils ont toujours encore des gros joueurs, ACBS qui est un peu qui renvoie un peu le caractère du groupe. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a le capitanat. Donc, quoi qu'il en soit, on s'attend à un match difficile, sachant que eux, ils sont à la recherche de points. C'est les vacances en suivant. Donc, à notre avis, ils seront là pour essayer de faire un résultat et ils vont aligner, on pense, leur meilleure équipe. Peut-être que pour le coup, ils feront un jeu un petit plus restreint, mais c'est sûr qu'ils vont essayer de venir nous battre ici, c'est certain. Que surtout, c'était une équipe qui fallait toujours être en éveil parce qu'elle est dangereuse. Sur les ballons de contre-attaque, sur les ballons de turnover, dans le jeu désorganisé, elle est capable de développer du volume de jeu. Et ce que je disais tout à l'heure, leurs individualités font beaucoup de différence et c'est ce qui leur permet, depuis leur phase statique, de marquer rapidement, après 3-4 phases maximum. Donc si on n'est pas en éveil lors de leur lancement et quand il y aura des échanges de jeux au pied ou des pénalités contre nous, si on met un niveau d'intensité et un rythme bas, je pense qu'on se trompe de match. Voilà. Il y a des joueurs pour qui ça commence à être un petit peu difficile, oui, bien sûr. On a aussi des joueurs qui sont revenus de blessure, notamment Sofiane Guitoun qui est de retour, Mani Meafou aussi, Guillaume Cramon qui a eu des petits pépins qui revient. Et d'un autre côté, on a des joueurs qui se blessent comme Richard Arnold sur qui on comptait pendant cette période-là. Donc, c'est que ce soit maintenant ou il y a 5 semaines, quoi qu'il en soit, c'est les aléas de notre championnat et de la longueur du championnat. Donc, on compose avec. On a, malgré l'absence d'internationaux, un effectif quand même assez important avec des jeunes joueurs qui s'entraînent régulièrement avec nous pour être prêts à cette période-là. Et sincèrement, on a fait une semaine sérieuse et on a toute confiance en le groupe qui va être prêt pour ce week-end. Oui, Guillaume Cramon, c'est une satisfaction, sachant qu'il a été blessé pendant plusieurs semaines avant ce match contre le Racing. Et malgré tout, il était capable de faire 60 minutes d'un bon niveau. Et on espère qu'il va être capable d'enchaîner sur le match à venir.